Alors la question aussi, c'est de savoir si tous les milieux, sont concernés. Parce que quand on reparle justement de l'affaire de ce sénateur, hein, Joël Guerriau, la députée Caroline Janvier, qui n'est donc pas celle qui s'est fait agresser, hein, une autre, à la suite de cette affaire, eh bien, a dénoncé justement le système de drogue et d'alcool trop répandu en politique, selon elle. Des élus de la majorité, évidemment, se sont offusqués, se sont élevés contre elle et l'ont accusé de grossir un phénomène, disent-ils, ultra minoritaire et de ternir l'image des élus. Elle a exprimé des regrets. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors écoutez, on n'a évidemment pas de données là-dessus, donc c'est difficile d'objectiver ce phénomène. Objectivement, par contre, ce qui nous semble évident, c'est que ça transcende toutes les catégories socio-professionnelles, ça transcende toutes les catégories d'âge aussi, hein, parce qu'on a effectivement des plus jeunes aux plus âgés, et que je ne vois pas pourquoi un milieu serait plus préservé qu'un autre.